is a little bit ill. So I, yes, you can take place, Stephen and Estelle. I switch into French because I have two French speakers. Donc j'ouvre cette deuxième partie de l'après-midi qui va s'intituler Postmodernisme et paradigme stylistique. Et j'ai avec moi Stephen Saunier-Sinan et Estelle Mouton-Romira. Stephen, excusez-moi, mais je remplace quelqu'un donc je ne suis pas. Stephen Saunier-Sinan est architecte de formation et enseigne les sciences humaines et sociales pour l'architecture à l'ENCA de Grenoble. Il est doctorant dans l'équipe Cresson de l'UMR. Bon, là c'est les sigles à la française. En tout cas, les thématiques sont ambiance, architecture, urbanité. Ses thématiques de recherche sont les nouvelles formes de pouvoir, les attentions en milieu urbain et les ambiances dites intelligentes qu'il développe au travers d'une approche sensible de l'espace public en France, au Danemark et au Royaume-Uni. Alors, je lui laisse la parole, mais avant je vous dis que son titre, vous le lisez là, « La distraction comme signe d'une hypermodernité, une ethnographie de l'humain à l'heure du smartphone ». Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour l'invitation et l'accueil dans un si bel espace, c'est quand même très agréable. Donc aujourd'hui, en effet, je vous propose une présentation dont vous avez eu le titre à l'instant. Il s'agit en soi d'une sorte d'exploration assez indisciplinée des modalités de l'expérience en s'intéressant à la question qui nous semble centrale de l'attention et son pendant, la distraction, en prenant le temps de penser à un objet technique bien précis dont nous l'avons à peu près tous dans les poches ou dans les mains, c'est le smartphone, et sa légitimité face à la lecture qui nous rassemble aujourd'hui sur la constitution du savoir. Merci. Donc, cette présentation rend compte d'une petite partie de la recherche doctorale que je mène depuis plus de 3 ans donc au sein de l'équipe Cresson de l'UMR Ambiance, Architecture, Urbanité. Cette thèse, pour le coup, donc, interroge la montée en puissance des technologies numériques informationnelles et communicationnelles qui ne peuvent désormais plus être considérées comme une sorte d'épiphénomène de transformation du cadre de vie urbain. Et cette recherche s'attache à décrire et comprendre l'émergence d'ambiances urbaines associées à de nouvelles formes de pouvoir et des tonalités affectives de l'espace public suite à toutes ces transformations qu'on peut vivre. Donc nous concentrons sur l'impact de ces machines, hein, le smartphone en premier, dans un moment de vie très ritualisé puisqu'on regarde des moments de mobilité quotidienne, donc par exemple entre le domicile et son lieu de travail, par exemple, pour mieux appréhender les émergences finalement du numérique au travers de cet objet. Donc c'est des moments de vie en prise avec des habitudes quand même qui sont bien ancrées. Donc très concrètement, il s'agit de comprendre ce que le smartphone a fait évoluer dans nos manières d'être attentifs dans ce qui semble être un espace-temps de pause ou de suspension. Donc après cette courte mise en contexte, je vous propose une présentation en 3 temps. Dans un premier, j'évoquerai un renversement du schéma médiatique qui serait à l'origine du bouleversement dans la constitution des objets techniques, qui clairement aujourd'hui ne peuvent plus être détachés des phénomènes qu'ils génèrent. Puis j'aborderai la modulation comme une lecture de la distraction qui accompagne l'effervescence des phénomènes techniques. Dans un troisième et dernier point, je m'attarderai sur les industries culturelles derrière une modernité de l'hyper, créant une saturation de la modulation comme modalité d'expérience du monde. Et pour terminer, je prendrai 1 ou 2 minutes pour évoquer les perspectives de cette lecture et ce qu'elles interrogent.
Donc l'expérience urbaine semble aujourd'hui sous l'influence d'une pensée par le flux, générée par et générant des industries culturelles dégradantes dans une succession automatique d'opérations successives, standardisées, pardon. Face à ce constat, nous partons à la recherche des significations des pratiques contemporaines associées à l'objet technique, complexe et présent dans toutes les mains, qui est le smartphone, puisqu'avec un capitalisme de la distraction engendré par une prégnance croissante de ces outils numériques du quotidien, nous nous demandons quel urbain ça implique. Donc cette recherche questionne les modernités autant dans leurs enjeux globaux que dans leurs effets très localisés, et parfois de l'ordre de l'infra, du micro, du phénomène, de l'expérience par exemple. Et pour prendre à bras le corps ce sujet, j'ai mené pendant plus d'un an une enquête pluriforme qui comprenait observations directes, entretiens, navigation, etc. Et avec cette immersion dans la vie de citadins lambda et non moins intéressant, notre étude questionne en fait des fragments de leurs petites histoires quotidiennes, révélant la distraction comme finalement le signe d'une hyper-modernité de l'urbain. Donc il nous semble qu'une approche par les ambiances s'impose à nous, car pour reprendre les mots de Jean-Paul Thibault, théoricien des ambiances, les ambiances sont des approches sensibles de l'action qui s'intéressent à l'entre-deux, finalement, de l'objet et du sujet, du sensible et de l'intelligible, ou encore de l'actif et du passif, en des sortes de configuration de l'action prise sur le vif. Fondamentalement, c'est ce qui semble un peu en jeu aujourd'hui, puisque par cet observatoire des transformations lentes de la société, je m'inscris dans une lecture du micro de la vie quotidienne, dans les luttes qui accompagnent des émergences techniques fortes et à forte influence. Donc j'ai fait ce choix d'interroger nos sociétés par cet ancrage ultra-local pour tenter de construire des hypothèses sur la constitution des bouleversements contemporains et la prégnance croissante étant celui qui m'intéresse particulièrement, prégnance croissante du numérique. Donc les termes actuels du basculement sont encore assez imprécis, hein. Tout est dans un devenir intelligent, smart, efficient dans notre environnement. Et tous ces termes, pris anglophones volontairement, représentent à la fois un business model, mais aussi une modification majeure de nos environnements de vie. Et donc toute surface devient potentiel écran, comme on a pu le voir avec l'avion juste avant. Bien qu'aujourd'hui, nous vivons ce basculement particulièrement avec les smartphones, les montres connectées, les bandes de bus et de tramway, les écrans d'information ou tout autre QR code qui sont implantés dans nos environnements. Donc tout ceci sont de plus en plus présents dans notre environnement urbain, enrichissant une sorte d'expérience immersive à la fois dans le physique et ce qu'on nommerait le virtuel. Donc ces objets connectés ont tendance à diminuer en taille, voire jusqu'à disparaître de nos perceptions directes. Alors on sait tous, ils ne disparaissent évidemment pas, mais leurs pixels sont de taille tellement infime qu'ils ne sont presque plus visibles. Et en fait, il y a une sorte de sensation de dématérialisation qui accompagne en fait la recherche de transparence, tout en exacerbant l'interaction et l'interaction de plus en plus présente. Et tout serait alors dans la granulométrie de l'interface, qui valorise l'outil aussi comme phénomène et non plus seulement comme objet. Et avec ces machines, nous observons donc un déplacement épistémologique depuis l'objet technique vers le phénomène technique, l'un étant dépendant de l'autre, bien entendu. Donc ces dispositifs technologiques sont par essence intrusifs et cachés. Malgré tout, et dans le soin de l'interaction, ils paraissent s'orienter vers des formes plus humaines et moins aliens. Prenons par exemple la voix de Siri qui s'humanise de plus en plus. Et ces phénomènes techniques ont le pouvoir de nous connaître et nous reconnaître par des algorithmes et des bases de données que je ne saurais comprendre moi-même. Mais ce basculement épistémologique s'opère alors sur le degré de sensibilité au phénomène de la part des usagers en tant qu'individus, mais aussi comme trans-individus dans l'urbain. Et donc face à la distraction permanente, l'usager développe de nouvelles modulations attentionnelles et comportements pour pallier finalement à un pâtir important face à l'abondance d'informations. Et aujourd'hui, ces machines ne touchent pas que la question interactionnelle, mais aussi les processus de consommation, de fabrication, de vie urbaine, et bien plus encore. Il s'agit d'un ensemble de problématiques liées à l'urbain, qui nécessitent un retour sur la question de sa politique. Donc ces ambiances dans lesquelles les citadins expérimentent leur quotidien se retrouvent en prise maintenant avec un réseau bien plus large que la ville elle-même, et bien plus immatériel que sa morphologie.
Et il semble que nous devons réfléchir ainsi à une nouvelle organisation des limites objet-phénomène, focalisation-distraction, ou encore présence-transparence, pour soigner le commun des expériences urbaines. Donc la distraction, précisément, est un phénomène qui dynamise l'espace-temps. En fait, par des captations hétérogènes, incessantes et multiples dans leur forme, les technologies comme système technique rendent difficile finalement la canalisation de notre charge cognitive dans l'action. Or, l'effort qui est demandé pour soutenir la distraction est quand même assez élevé et contraint le citadin dans l'interaction avec son environnement. Et le phénomène technique renverse alors le schéma médiatique que nous connaissons avec l'ordinateur, par exemple, où nous allons chercher de nous-mêmes l'information. L'objet technique, maintenant, vient vous chercher. Et donc l'objet technique, qui serait une excroissance de nos propres existences, finit par bouleverser cette même existence en la contraignant dans un cadre hyper stimulant. Donc cette ethnographie de l'action que j'ai menée met en exergue des marqueurs d'évolution, comme des sortes de configurations formant les ambiances dans des bouleversements majeurs de nos cadres de vie. Nous trouvons dans la lecture sensible des quotidiens de nouvelles modulations de nos attentions qui seraient le produit d'une distraction généralisée et intense par des objets numériques. Et la modulation dans toutes ses formes donne à voir les fondements des rythmes de vie et révèle l'intensité de notre rapport au monde dans l'habitude et le récit des quotidiens ritualisés. L'urgence d'un réexamen des pratiques de l'urbain hyper stimulant semble être utile pour redéfinir une critique des pouvoirs, faisant résonner individualité, objet et monde dans une sorte de composition digne à la Varèse. Et en effet, Varèse, que je prends comme exemple, Edgar Varèse, qui dans un univers imprégné de modernité, va au-delà des normes de la narration musicale pour massivement s'ancrer dans les sciences et technologies et offrir des œuvres représentatives de leur temps, on va dire. Donc vous avez sous les yeux un extrait de « partition », et je mets des gros guillemets à « partition », du poème électronique qu'il composa pour le pavillon Philips, conçu par Le Corbusier pour l'exposition universelle de 1958. Il écrit par ailleurs 40 ans plus tôt à cette composition et en critique de la musique comme simple récit, selon lui. La musique qui doit vivre et vibrer, je cite, a besoin de nouveaux moyens d'expression et la science seule peut lui infuser une sève adolescente. Je rêve d'instruments obéissant à la pensée et qui, avec l'apport d'une floraison de timbres insoupçonnés, se prête aux combinaisons qu'il me plaira de leur imposer et se plie à l'exigence de mon rythme intérieur. Et en fait, ce que vous avez sous les yeux, c'est une partition où chaque ligne représente un instrument, et instrument étant pris au sens très large, ça peut être autant un instrument classique qu'on peut connaître dans un orchestre, comme ça peut être un instrument comme une casserole sur laquelle on tape. Et c'est ça qui devient important, c'est-à-dire que tous les instruments qui l'entourent lui permettent de composer finalement ce qu'il a dans sa tête, et composer de cette manière-là. Puisque Varèse semble me permettre une sorte de métaphore sur les relations attentives que les citadins ont construites avec leur environnement. Alors, vous ne voyez pas très bien les diagrammes, et j'en suis bien désolé, c'est vraiment pas volontaire. Parce que plus que son histoire, en fait, le citadin construit son récit avec les objets auxquels il a accès. Et donc finalement, on retrouve toute l'émotion que Varèse essayait d'avoir avec tous ses instruments autour de lui. Parce que Varèse semble être assez représentatif d'une modernité où intensité, fréquence et densité sont les modes de composition et non plus les cadres normatifs du solfège. C'est-à-dire que juste avant, vous aviez des densités, des fréquences, des intensités, plutôt que des notes qui correspondraient à des fréquences précises, par exemple. Donc en fait, tout son travail serait une sorte de synthèse additive qui aujourd'hui me permet de décomposer dans une pensée dans un chemin un peu inverse, la distraction et comprendre la modulation telle qu'elle se réaliserait en fait dans la présence croissante des technologies. Donc voilà comment je pourrais représenter mon objet d'étude, ce sont tous ces petits diagrammes, comme un ensemble d'effets, d'intensité et de densité, où chacune de ces variations s'assemble les unes avec les autres pour représenter un morceau de vie. Un fragment d'histoire quotidienne, comme je les appelle. Et l'abondance rapide et manifeste des distractions de ces objets techniques, en fait, bouleverse tous ces schémas, tous ces effets, et les remplit, les accomplit dans une intensité folle. Et tout ça nous offre autant l'imaginaire d'une prophétie que d'une catastrophe hors de toute échelle humaine.
puisque dans ce travail, nous déconstruisons sans atomiser, bien entendu, les œuvres singulières que sont des situations quotidiennes, pour en comprendre des agencements d'effets, des effets de bulles, des effets d'émergence, d'envoûtement, de résonance, de saillance, etc. etc. Donc sans exhaustivité aucune, bien entendu, tout ceci met en lumière des jeux de relations bouleversés par cet objet technique hors des communs. Et la modulation, finalement, serait un ensemble de dispositions d'éléments sans discontinuité, où chaque élément étant une sorte de configuration entre concept, sensation et fonction. La modulation, c'est donc un cheminement de vie entre crescendo, saillance, bulle, décrescendo, etc., etc. Et donc, avec tout ça, nous tentons de saisir une sorte de contemporanéité de la notion de modulation, que l'on retrouve chez Deleuze, Simondon, Foucault et bien entendu chez Lyotard, pour au fond comprendre les jeux de pouvoir à l'œuvre. Malgré tout, nous trouvons une limite de la représentation de la modulation par ces diagrammes, puisque c'est toute la texture de chacune des modulations intentionnelles que nous aurons, les humeurs, les liens sociaux que nous créerons associés à ces modulations, qui nous manque. On sent bien que la courbe seule ne parle pas, on sent bien que le nom seul de l'effet ne parle pas, et ça manque de substance. Et donc c'est dans les récits de vie des personnes que nous avons interrogées, que nous sommes allés chercher. Nous y avons trouvé de la granularité du quotidien tel qu'il est vécu. Et la pensée de la modulation perd tout son sens si elle n'est pas associée à ce récit de vie. Et c'est celui-là même qui semble manquer dans toutes les modernités qu'on a pu évoquer. Donc la modulation sert à trouver du sens dans la pratique. La question de la distraction révèle, semble-t-il, des sens de la pratique qui nous permettent aujourd'hui de réfléchir à ces nouvelles technologies vouées à infléchir le sens de la vie. Quant au fond, en fait, en reconstruisant des imaginaires pour en faire des objets techniques ouvrant la transindividuation, qui ne peut avoir lieu que par sa métastabilité, comme le dirait Simondon, finalement le rapport de force dans la modulation serait beaucoup plus équilibré, semble-t-il. Gilbert Simondon, justement, qui nous dit en 1958, « La présence de l'homme aux machines est une invention perpétuée. Ce qui réside dans les machines, c'est de la réalité humaine, du geste humain fixé et cristallisé en structure qui fonctionne. L'individu technique devient pendant un temps l'adversaire de l'homme, son concurrent, parce que l'homme centralisait en lui l'individualité technique au temps où seuls existaient les outils. La machine prend la place de l'homme parce que l'homme accomplissait une fonction de la machine, de porteur d'outils. » Vous connaissez probablement cette citation de Gilbert Simondon, ou en tout cas toute la pensée qu'il a produite, notamment dans du mode d'existence des objets techniques. Mais avec cela, on sent une sorte d'impérialisme des industries culturelles dégradantes, pour reprendre une nouvelle fois les termes d'Adorno, dans la diffusion du savoir narratif, puisque c'est le dernier point que je voulais aborder, pour fondamentalement accorder autour de ces objets une sorte de consensus dans des structures socioculturelles, par l'uniformisation des gestuels, des modes de discussion, des transmissions d'informations, etc., sans aucune appropriation possible de ces objets. Donc ces industries culturelles renforcent une idéologie, provoquant l'illusion de l'objet technique, dans l'intrusion de phénomènes dans leurs usages. Et finalement, ce n'est sûrement pas une révélation, mais la société de contrôle use de ces instruments, et le smartphone en premier, pour jouer de la modulation de nos attentions. Donc nous pouvons noter la disparition, ou en tout cas l'uniformisation d'une part narrative du savoir dans le développement de ces objets, qui convoitent toutes nos attentions. En effet, un discours a été construit par les systèmes industriels eux-mêmes concernant ces objets, formant la seule essence possible de ces objets. Et une culture technique devenue unique par une pensée technologique, fermée et normalisante. Pourtant, et pour nuancer quand même un petit peu, nous trouvons de nombreuses subtilités dans les pratiques des citadins qui sont bien plus effervescentes que ce qui était prévu dans le cadre pourtant fermé des technologies de l'information et de la communication, telles que le smartphone, encore une fois. Toutes ces pratiques s'inscrivent en fait comme des parades pour se protéger, comme des choix déterminés à n'utiliser le smartphone qu'avec sobriété, par exemple. Malgré tout, un savoir narratif uniformisé qui s'exempte d'une accroche culturelle, ou plutôt qui s'accroche à une culture industrielle du capital, et se diffuse et imprègne finalement le monde dans sa globalité. Donc ce n'est pas qu'une question d'industrie, finalement,
puisque l'usager a appris à vouloir cette industrie, en fait, dans cette transformation lente des sociétés. Il semble que cette transformation lente est une caractéristique des bouleversements qui sont souvent notés comme rapides, mais il semble aussi que c'est plutôt de l'ordre du progrès technologique, d'un pas à pas, qui nous mène aujourd'hui à cette rupture de l'épistémé, en tout cas semble-t-il. Donc nous observons une transformation profonde des objets et des pratiques qui, de modernité en modernité, en fait, ouvre aujourd'hui un recul nécessaire pour les comprendre et les envisager autrement, puisqu'avec ces objets universalisants, par leur langage, peut-on encore parler de culture technique en l'absence d'un ancrage dans la pratique, dans l'ultra-local, finalement, d'un quotidien dynamique et singulier. Donc, par ce travail de terrain, il s'agit autant de comprendre la constitution de nos relations aux objets techniques que leur capacité à retourner toute la puissance que nous avons mis en eux contre nous en devenant des objets de distraction qu'ils sont aujourd'hui. Donc, a priori, nous en sommes tous responsables. En tout cas, 75% à peu près la part de personnes ayant un smartphone, nous en sommes responsables. Nous y participons chacun, en fait, par nos pratiques, impliquant plus ou moins les smartphones, pour ne parler que d'eux, bien évidemment. Et finalement, nous écrivons un récit non plus de nos pratiques humaines, mais un récit dans un cadre préétabli par une industrie culturelle, avec ses motivations du profit appliquées à des objets extériorisant un peu de notre existence. Et cette marchandisation, en fait, s'alimente par une certaine monstruosité idéologique, et je suis désolé des termes, effaçant tout récit transindividuel, pourtant nécessaire aux soins de nos attentions. Et ce produit, finalement, profite à une culture de masse, accessible à tous, presque, mais prémâchée par le pouvoir du marché. Nous le savons tous, hein, la condition du discours fait de l'information une communication chargée de sens. Et ces technologies qui nous accompagnent au quotidien, en fait, transforment ce contexte dans la modulation, devenu hyper rapide, hyper rythmé, hyper intense, ce qui provoque une transformation du savoir et donc de sa constitution. Donc cette industrie porte le citadin dans une sorte de déprise de ses capacités cognitives. Il perd la main sur ses modulations intentionnelles qui pourtant lui appartiennent. Il n'est plus maître des stimulations, bien que fondamentalement il ne l'a jamais vraiment été, qu'on soit bien d'accord. Mais l'exosomatisation qui s'impose en fait dans ces petits objets pousse à son paroxysme la déprise où les stimulations intempestives cachent le reste de l'environnement, comme si nous étions dans une bulle, un petit citadin dans une bulle, et nous nous promenions dans cette bulle. Bien entendu, et encore une fois, il faut nuancer tout ce propos, puisque l'hypermodernité qui semble se jouer pose tout de même la question. Cette modernité s'appuie sur des valeurs diffuses, presque impalpables, qui questionnent fortement les modes de gouvernance, qui sont en action et avec tout l'envoûtement médiatique qui accompagne ces objets. Donc quelle légitimité sociopolitique d'un tel objet? C'est comme si nous vivions un changement de héros, pour reprendre les termes de Jean-François Lyotard, depuis l'État jusqu'aux industries. Et l'action du pouvoir se définit alors par de nouvelles normes de l'expérience imposées par ces objets. Forcément des gouvernances bien différentes et non soumises à la délibération du peuple, ce qui semble destructeur des savoirs traditionnels de vie urbaine. Et dans un tel système d'obéissance, les technologies répondent à une économie et trouvent non plus leur valeur dans l'information et sa transmission, mais dans l'attention que nous portons à elles. Donc cela déséquilibre fortement la constitution du savoir, qui trouve sa légitimité dans la puissance de la stimulation, autant en termes de rythme que d'intensité. Une sorte de logique de performativité que notait Jean-François Lyotard il y a pourtant 40 ans. Dans la constitution du savoir que nous présente justement Lyotard, entre science et narration, il semble que notre objectif, avec toute la critique possible, c'est d'aller chercher cette substance granulaire que j'évoquais tout à l'heure, cette texture pour comprendre les récits qui accompagneraient un développement technologique normalisé. Et semble-t-il un peu trop rationnel pour être réellement à l'origine d'un commun informationnel. Donc ce commun serait-il un récit collectif qui prendrait soin de nos modulations? Je pose la question en tout cas. Nous découvrons une posture possible dans la critique sensible de ces technologies, pour ne pas dire objets techniques, en entrant dans la finesse des processus interactionnels, dans la compréhension des phénomènes homme-machine, en prise avec la transparence des interfaces techniques, mais aussi de leur rapidité, de leur ubiquité, ou encore de leur adaptation.
La technique en prise avec des problématiques globales de progrès se retrouve face à des questions ultra localisées d'un ordre social et ou cognitif. Il ne s'agit pas pour nous de réaliser une critique vive à l'encontre des mass médias, même si ça en a l'air, et des dispositifs mis en place, mais plutôt de nous construire autour d'une question. Quelle place donne-t-on au sens et expérience du citadin dans un tel moment de changement en termes attentionnels ? Notre position critique porte sur le sensible, dès lors qu'elle porte sur la vulnérabilité finalement de nos capacités attentionnelles face à une hyperstimulation de l'environnement. Il semble que nous devons apprendre à vivre avec ces technologies de l'enchantement tout en restant vigilants. Nous nous tournons alors vers une posture critique de ce fantasme d'une existence idéale au travers de ces objets que suggèrent ces technologies. Pour finir et conclure, je me permets de citer Andrew Feinberg qui nous dit « Nous pouvons dépasser les obstacles idéologiques pour créer un avenir meilleur en intégrant les valeurs écologiques, dans les dispositifs techniques et économiques de notre société. » Alors ça fait bien entendu rêver, puisque une certaine perte de contrôle de nos quotidiens apparaît comme seule possibilité l'aliénation face à une rupture massive entre structures techniques et structures socio-culturelles. Et nous tentons de reconstruire finalement les épistémées de notre époque avec méfiance face à ces bouleversements par une enquête archéologique, d'une certaine manière, des structures sous-jacentes à nos quotidiens. Donc, dans le contraste des ambiances extraordinaires que j'évoquais, qui sont les quotidiens des citadins lambda, il s'agit de comprendre un fond en présence en allant au-delà du dispositif médiatique et en comprenant ses effets, ses gestuels, etc. etc. Et ainsi, par cette lecture, nous mettons en lumière ce n'est pas la technologie dont nous devons nous soucier, mais de sa diffusion et ses usages contrôlés. Ceci étant bouleversé par les techniques de distraction, qui se déploient à grande vitesse et exercent une pression sur nos capacités au prix de ce que certains appellent un capitalisme cognitif, qui serait représentatif de la modernité dans laquelle nous vivons. Et en effet, pour terminer, ces pratiques individualisantes du smartphone dans l'espace public questionnent les rythmes, les transitions ou encore les affects de nos expériences. Et ces nouvelles configurations ambiantes semblent nous pousser vers une nouvelle disparition des lucioles de Pier Paolo Pasolini pour un hédonisme consumériste de la distraction. De la distraction cette fois-ci pour nous. Et face à cette performativité qui n'est autre que le reflet de sa propre faiblesse, jusqu'où cette société de l'hyper nous stimulera ? Est-ce vers une libération ou un effondrement de nos pratiques ? Malgré tout, il semble qu'il s'agisse d'aller vers une expérience en imagination pour construire ensemble un épopée au-delà des caricatures d'un effondrement majeur ou d'une aliénation généralisée, mais plutôt vers un soin de la modulation. Merci.